On insiste sur le côté gauche avec le centre de Lodi, dégagé difficilement. Ça revient sur Correa. Correa, la frappe de Vitinha qui est l'arrêt. Et ensuite, l'ouverture du score. Ouah, Ismaïla. Ça, le Sénégalais qui frappe d'entrée à 0. Oh, vous m'excitez là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a à faire à la tête de bébé? L'OM qui démarre tambour battant. Trois occasions en trois minutes et boulet de canon d'Ismaïl Assar. Correa, ouais, super, super pour Vitinha. Et ses buts, ça. Il a frappé. Ouf, encore. Et voilà. Et voilà, l'ouverture du score. Et voilà, l'ami Sarr. Ismaïl Assar. Après un très, très beau travail, quand même, encore de Vitinha sur le côté. Oh, les Marseillais sont rentrés dans le match très, très fort. Wow, Descamps, elle n'a rien pu faire, Descamps. Pour Correa maintenant, Correa la frappe, elle est arrêtée par Descamps pour Ismaïl Assar, le but. Et le but de Marseille déjà. Ah, but à 0 pour le but de Marseille. Oh, plus rapidement, ils ont étouffé directement les Nantais. Le deuxième but de Assar, déjà à 0 pour Marseille. Au bout de 3 minutes de jeu, le goal Golazo. Oh, la rapidité incroyable, les amis. Et ben dis donc. Assez incroyable ce qui s'est passé pour les Marseillais. Quel but magnifique de Ismaïl Assar. Le deuxième but pour lui, déjà en Ligue 1. Le ballon sur côté gauche pour la montée de Renan Lodi. Allez, le Renan Lodi de son pied gauche, il va la mettre pour Correa. Correa, son premier ballon dans la surface pour Vitinha. Vitinha qui va frapper. La parole du gardien. Exa. Le golazo. Avec Correa, le centre, et ça finit dans les pieds de Vitinha. Vitinha dans la surface, Vitinha la frappe, et c'est contré par Deschamps, ça revient dans les pieds de Sarr, et c'est le but, but de Ismaïl Assar, but de Ismaïl Assar, magnifique but de Ismaïl Assar, quelle frappe pleine lucarne, et l'Olympique de Marseille qui ouvre le score dans ce match, c'est exceptionnel, après seulement 3 minutes de jeu, l'OM qui ouvre le score, et l'OM qui mène, 1-0. La passe de Correa pour servir Vitinha. Vitinha, la frappe, la parade, c'est pas terminé, ça revient à la reprise. Oh, l'ouverture du score, le but, il est signé, le crack sénégalais, Ismaïl Assar. Golazo pour l'Olympique de Marseille. Voilà, monsieur. Longue touche. Écarté par Rongier, c'est pas fini, le centre de Saïman. Ah, l'égalisation de Mohamed. Mohamed qui égalise. C'est pas vrai ça. Vous dormez. Vous êtes impardonnable. On est un de plus. Oh, vous dormez depuis 20 minutes. On n'a pas d'occasion. Il arrive à se frapper en se retournant. La défense est laxiste. Un partout. Voilà, je suis très remonté là. Oh que c'est dur. Très dur, mais ça va être encore plus dur. Attention, si jamais... attention, la frappe et l'égalisation. Et voilà. Mais c'est Mostafa Mohamed. Mais c'est bien fait. Mostafa Mohamed. Et voilà. C'est et bien voilà, fait. Les erreurs On s'arrête de jouer. Ça fait 5 minutes, 10 minutes qu'on le dit. On s'arrête de jouer. On propose plus rien. Ça y est, ils sont à 10 contre 11. On a fait le plus dur, on a marqué le but, ça y est, on se relâche, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'agressivité et on retombe dans les travers comme contre Metz. Voilà. Ce ballon pour Mohamed la frappe, le but. Le golazo nantais. Le golazo exceptionnel nantais. Oh, la reprise de Gonnet. Incroyable. Oh, la clim. Le contre-poitrine. Nantes qui revient à 10 contre 11. Quel but du Pharaon. Oh, c'est démérité pour les Nantais. Quel golazo exceptionnel. Oh, popo. Le bijou, certainement l'un des buts de la journée. Paulo Lopez n'a rien pu faire. Quel caviar. Quel bijou. Incroyable. Oh, le but. Oh là 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 là. Allez, la touche pour Merlin. On la met dans la surface. Attention, elle est vite jouée. Avec Simon. Simon qui se retourne. Avec Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed. Oh non. Le but de Mostafa Mohamed.
il est sérieux, c'est sur une touche qu'on encaisse un but. C'est quoi ça? Oh! Putain de merde, sur une touche. Merlin qui effectue la touche, qui arrive à trouver Simon, le centre de Simon pour Mustafi dans la surface. Oh là 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 là, quel but. Et pour Lopez, bien évidemment, qui n'a pas bougé. Oh là 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 là, les Nantais qui égalisent alors qu'ils sont à 10 contre 11. Coup d'envoi, attention là, le ballon maintenant, avec le sort de Moses Simon, le contrôle et la reprise et l'égalisation. L'enchaînement est magnifique. Nantes revient et l'égalisation de Mostafa Mohamed. Ouais. Autant l'ouverture du score de l'OM était parfaitement méritée, mais là, l'égalisation, waouh. Wow.